Comme t'étais pas là la semaine dernière, petit trou du cul. Eh ben voilà un résumé de la dernière émission. Enfoiré. Bonsoir à vous tous, bonsoir, bienvenue sur Hooper.fr, moi c'est Mister Cool, il est 21h et on est ensemble ce soir pendant 5 minutes avant que mon PC prenne feu. Là j'ai tous mes navigateurs qui sont complètement, enfin je... pas fiable. Je relance un Microsoft Edge, mais vous vous rendez compte les mecs, on m'aurait dit ça un jour, c'est Microsoft Edge qui me sauve la vie. Je viens de faire une recherche sur Edge, il utilise Bing. Ah ça c'est un autre problème, ça c'est un problème plus grave ça. Bah excusez-moi, ce navigateur, le pire truc qu'on ait vu depuis Chandler. Parce que là dans le chat, ça doit m'insulter, là. Là, pour cette vanne, ça doit m'insulter. Putain, mon programme! J'ai plus mon programme! Je sais plus de quoi on va parler ce soir. C'est la pire émission. Bon, allez, ce soir, officiellement, on intitule que ce live est la pire émission. On est d'accord? Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Oh, je vais vous dire un truc, mais les mecs, surtout, je sais que vous êtes la meilleure communauté du monde. Faut que ça reste entre nous. Alors Madame Cool savait pas ce qu'était un PGM, un pro gamer et tout. Elle est farfadée, donc son copain de Call of. Ils ont monté une team, sur le côté ils ont mis entre crochets les PTM pour les pas trop mauvais. Alors quand elle se fait kill, 3 bastos d'affilée, machin et tout. Je fais alors les PTM, machin. Oh, putain mais... Oh, qu'est-ce que je rigole. Là je vous dis un truc, c'est notre secret. Salut Madame Cool, c'est pas moi, non. Et Madame Cool sur le chat. Bonsoir Madame Cool, on espère que tu vas bien, on espère que tout se passe bien. Non, j'espère que tu vas pas trop mal. Non mais en tout cas, ça prouve bien une seule unique chose, c'est qu'il faut absolument pas qu'on ouvre un salon de coiffure, sinon le nom va être terrible. Ça va être le coupe-tif, un bol d'air... Non, ça va être le PTMC en fait, pas trop mal coupé. Pour occuper les gens dans le salon, on leur mettra un iPad Air. Est-ce que pour faire tourner ton coiffeur simulateur, t'as une carte graphique en RTX? Tu manques pas d'air. Après on se fait une petite partie de Cyber Air. Punk 2077. Ils ont dit que c'était une blague de PTDR. Eh, il y a Lucidi qui dit ta blague tombe à l'eau, Mist R. Cool. Elle est tirée par les cheveux. Mauvais. Oh non, c'est Isset dans le chat, appelle le mode R rateur. Oh non, putain. Oh non, mais moi je me casse. Imaginez. Megan Fox. Ou peu importe votre fantasme, ultra fantasme. Vraiment haut de gamme. Emma Watson, c'est ça? Par exemple. Qui a l'accent québécois. Et qui en pleine action te dit tape dans le fond, je suis pas ta mère. Ça reste de l'exotisme, moi je trouve. Hein. Alors de l'exotisme, je sais pas. En fait, le problème que j'aurais, c'est que je me fendrais la gueule. Ça m'est déjà arrivé de rigoler en baisant, mais là quand même, au bout d'un moment, faut choisir quoi. Je sais que certaines personnes ne sont pas d'accord. Je pense qu'elles peuvent toutes aller se faire enculer. Tabernacle, c'est aussi français. Qu'est-ce qu'ils vont dire, moi, québécois, ils sont absolument pas fait. Moi, quand je tape dans ma blonde, avec je tape dans le fond parce que c'est pour ma mère. Enfin, bref! Pas le slip et calisson. Ah non, pas ce soir. Bah, vous savez quoi, ce soir, on va la passer. Par contre, du coup, je vous révélerai jamais vraiment ce que je portais parce que ça restera un mystère. On me pose une question sur les écrans incurvés, j'arrête pas d'essayer d'y répondre en fin d'émission à chaque fois qu'on a des problèmes techniques. Il y a des mecs, ça fait 3 mois qu'ils attendent la réponse, qu'à chaque fois on est coupé. Quand vous déballez votre écran incurvé, que vous le branchez, vous le mettez sur la table, il est impératif que l'écran soit bien face à vous et pas retourné vers le mur, sinon vous ne voyez rien.